Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. On est toujours avec Amélie, Émilie et Benoît. Et notre invité qu'on adore, Jeff Dubruit. Allez, dans un instant, mon ami, on va te présenter en exclu l'hymne. D'accord, ça va, Amélie? Ah, c'est Émilie, pardon. Et mourir, n'avait de vie. C'est qui a écrit cette chanson en 1980? Évidemment. Jean-Jacques, toujours lui. Donc, dans un instant, on va te présenter l'hymne non officiel de l'Euro 2016. Mais avant, des images inédites de ce qui vous attend dès demain dans Les Anges avec Nico et Amandine qui couchent ensemble. J'avais oublié. On va le refaire bien au milieu avec la lumière. Qui couchent ensemble. Voilà, la lumière, bon, laisse tomber, mon ami, c'est pas grave. Alors, ils couchent pas ensemble, ils sont dans le même lit, hein, c'est une petite nuance. Oui, j'allais dire. Mais ça rapproche quand même. Tout de suite, on regarde ce qui vous attend dès demain, les amis, avec encore une fois de l'action dans Les Anges. On regarde. Tu sais pas de faire des trucs, toi, cette nuit, hein. T'entends? Alors, c'est le moment d'aller se coucher. Je me dis qu'il y a Amandine dans le même lit. Pourquoi pas? Sur un malentendu, ça peut marcher. Tu me ferais peur, moi, ça. Il y a des combattus. Bon, alors, on va quand même poser la question à Jeff, hein, qui a vu l'animal évoluer en liberté. Pourquoi il galère autant avec les nanas, le Nico? Peut-être parce qu'il se recoiffe avant de dormir. Ouais, c'est bizarre. Il dit trop. On sait que vous êtes assez potes. Hein, ouais. Vous êtes Nicolas, assez potes. C'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Il rame aussi. Hein. Il est beau gosse. Ouais, je sais, il rame un peu, mais en tout cas, il est beau gosse. Il est super drôle. Toutes les filles de la maison l'apprécient énormément. Bien à part certaines personnes que je ne sais pas. Mais pourquoi il chope pas? Je pense aussi que... De par son ancienne aventure, généralement, c'est les femmes qui venaient vers lui. Et il s'attendait un petit peu à la même chose. Mmh. D'accord. Il en fait un petit peu trop, peut-être, non, des fois. Ouais, mais c'est son style. C'est le personnage. Ça fait peur. C'est le personnage. C'est juste drôle. Gentil, c'est too much. C'est un peu. C'est vrai que franchement, Nico, on peut tout lui reprocher, mais pas d'être quelqu'un de méchant. Ça, ah non, c'est vrai. Vraiment. Vraiment. Bon, alors on verra évidemment comment ça va évoluer entre Nico et la belle Amandine qu'on a reçue la semaine dernière. Très, 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 très gentille, très, très charmante. Et on vous l'avait promis, les amis, on taffe dessus comme des fous depuis quelques semaines. On voulait vous la faire hier, mais je ne pouvais pas avec la voix. On a écrit l'hymne non officiel des Bleus pour l'Euro qui commence dans 10 jours. Le clip et l'instru sont en préparation. En attendant, on va vous faire la version acoustique. Attention, ça s'appelle « Allons tous se faire foutre ». Voilà. Ça s'appelle comme ça. Je trouvais que c'était rigolo, non? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, viens. J'aime le foot. Merci, mon ami. Merci. Alors, on va vous faire ça. Vous venez derrière moi, les amis, faire les pam-pam girls. Non, Jeff, tu nous donnes ton avis. Je suis toujours en position de femme, ça m'énerve. Merci. OK. On a vachement répété, hein, je mets là. Ouais, on a super répété. Moi, j'ai oublié le début. Si quelqu'un peut me souffler à l'oreillette comment ça fait un peu l'air du début, j'ai oublié complet, là. Voilà, les gens sont partis, hein, visiblement. Il n'y a plus personne. Alors, je ne sais plus comment ça fait. Ah, merci, il s'est réveillé, merci. Allez, les Bleus, on va le gagner. C'est l'Euro, on va le remporter. Benzema ne va pas jouer. Il y a Varane qui est blessé. Alors, Platini, il va nous l'acheter. Allez, les Bleus, on va le gagner. C'est l'Euro, on va le remporter. Aucune équipe ne nous fait flipper. Le parcours est déjà tracé. La Roumanie s'est pliée. L'Albanie s'est déjà fait. Il y a 2 semaines, il ne savait pas encore jouer. Les Suisses, on va les payer. L'évasion fiscale, on connaît. Ces messieurs,
aussi qui nous l'a enseigné tous ensemble. Allez, les Bleus, on va le gagner. L'Euro, on va le remporter. Benzema ne va pas jouer. Y a Varane qui est blessé. Alors, Platini, il va nous l'acheter encore une fois. Allez. Il va nous l'acheter. Merci la France. Merci les amis. Alors je me retourne. Donnez-moi un O. Pardon. F-O, ça faisait quoi derrière F-O? F-O-O-T. Tout ah, ben oui. Bah oui. Mais fais-nous le bien devant la bebe, on veut te voir, on y va. Après, on demande l'avis de Jeff. 3, 2, 1. Donnez-moi un F, donnez-moi un O, donnez-moi un O, donnez-moi un T. Et moi, je voulais faire Mark Simpson. Voilà. Alors attendez, j'attends la connerie d'Amélie Netten. Non, apparemment, elle est plutôt calme. Donnez-moi Ronald. Je voulais continuer bon, alors, avec votre méchant, là. Qu'est-ce que t'en penses de notre petite fille? Très, très bien, très, très bien. Sympa. Oh, ben, je vois bien le mec lui dire, c'est de la merde. Désolé, il peut. Non, attends, elle est vachement très... Non, elle est... Non, ouais, non, on a essayé, on a écrit ça avec Gianni, qu'on embrasse, à notre auteur favori, mon petit Gianni. Alors, Jeff, il est temps pour toi de nous montrer tes talents de comédien. C'est l'heure d'un nouveau jeu tous les jours. Merci, mademoiselle, d'applaudir. Vous êtes dans le rythme. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure du Time's Up, les amis. Alors, les amis, deux équipes, Jeff et Émilie. Émilie, tu peux aller là-bas, ma petite fichou d'amour. Émilie, j'aime pas perdre. Ah, non, non. C'est quoi cette petite musique? C'est n'importe quoi, cette émission, à chaque fois. On fait n'importe quoi. Alors, on a la c'est team. C'est la team des Marseillais. Hein. Voilà, la team, évidemment, des Marseillais. Et donc, contre la team Benoît et Amélie, la team des refaits. Alors, chacun... Alors, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, Amélie. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Tiens, chope-moi le regard d'Amélie. Regarde le regard de Brest. Je vais lui faire un bisou sur le front, elle va sourire. Regarde. Tu vois, c'est pas dur, hein. Amélie, il est top. Alors... Chacun votre tour. Vous allez devoir faire deviner des titres de films à votre binôme. Ils vont s'afficher dans l'écran, hein, qui coûte quand même 25 000 euros, hein, quand même, on a les moyens. Vous avez 1 minute 30. Jeff, donc, tu es là, tu mimes à Aurélie. Et Mimi, toi, évidemment, tu ne te retournes pas. J'ai dit Mimi. Aurélie, tu as dit. Ah, pardon, oui, comme quoi, tu vois, des fois, ben, t'as pas mis les fleurs, j'étais déstabilisé. Ah, c'est parti. Alors, c'est toi l'acteur, c'est toi qui mime, attention. Ah ouais, direct, ok. C'est parti. Ah. On a le premier. Ok. Un oiseau, Jésus, un fleuve, c'est un film, un film, ah, Titanic, yeah, ça fait un, Spider-Man, ça fait deux, Dracula, les dents de la mer, bien, trois, oh là là, non, déteste de perdre, le nord, ok, ouais, chut, bah les aides pas, ah, oui. Le nord, un sapin, qu'est-ce que c'est? Reviens en arrière. Salut, entrez, bienvenue. Bienvenue, bienvenue chez Ch'ti. Yeah, yeah. 4. Ok. Oh, bah ça va, dis. Gay, Priscilla, folle du désert. Oh non, mais gay. C'est bon, calmez-vous. Ghetto, gay, un cowboy qui est gay. Lucky Luke. Mais il est pas gay, Lucky Luke. Elle l'aura pas, celui-là, on passe au suivant. Rocky. Yes, le dernier. Taxi Driver, Taxi. Ouais. Mais t'es bon. Ça fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 points. Ah, Brokeback Mountain. 6 points, les amis, ça fait 6 points. Bravo. Allez, j'appelle mon bebe d'amour. Ouais. Tu es très beau, bebe. Tu vas au sport direct comme ça, toi. Oui, grave. Si vous voulez le voir, il a la salle de Bastille, hein, si vous voulez des photos. Voilà. Voilà. Je suis toujours avec lui. Pourquoi t'es... Mais deux blondes ensemble. Amélie, elle est dans les anges. Tout le temps, elle fait des carmineries, celle-ci. Hein. C'est des carmineries. Allez, je tout de suite, on retrouve la team des refaits. Oh, ça suffit maintenant. J'ai pas dit ça, j'ai dit la team des bienfaits. Ah. Voilà. Ah. Attention, on y va. Et tu te tournes pas, ma belle. Je suis bonne sur toi. On y va. Ah, c'est moi qui mime. C'est toi qui mime. C'est toujours des films ou pas? Ouais, toujours des films. Ah, Godzilla. Non. Pas de bruitage. Non, j'avais juste un truc de la gorge. Mais le gorille, là, comment
français, là. Le gorille, Godzilla, non? C'est un dessin animé. Le Roi Lion. Bravo. Vous trichez. T'as vu? Non, là, c'est moins de 18 ans, t'as dit ça à partir de minuit. Les, quoi? La vie d'Adèle. Oui, ouais, excellent. Jurassic Park. Oh merde. Non, on comprend pas ce que tu fais, on passe toujours deux points. Ah, Batman. Oui, elle l'a eu, trois. Ah, c'est les filles, ça c'est... Ah non, attends. Oui, ça t'a. Tu n'as pas l'air, Non. Grouille. Oh, vous êtes chiant, on va m'insulter sur... On va m'insulter, bah j'ai pas le choix. Oh non, non, non. Voilà. Y a qu'un film comme ça. Ah, c'est avec Omar Sy et Touchable. Oui. Ouais. C'est fini. Il en reste deux. Oh, mais gaffe, il mise en zone. Non, ils ont plus de temps. Le dernier. Non, ah, c'est chez l'or, Didi. Et de la Didi, Dion. Non, pas Didi, oui. On a 60 secondes, ils ont 15 minutes. Ouais, Dans l'oreillette, on me dit, on leur a laissé un petit peu plus de temps par rapport à leur faculté intellectuelle. Non, on a manqué d'oxygène à la naissance, rien à voir. Ça n'a rien à voir. En tout cas, ils ont gagné du point. Allez, venez, les amis. C'est la fin de l'émission du Winnie Wonka. Merci, mon ami. Allez, les amis, c'est l'heure de votre série préférée, Les Aventures de l'Aisance. Précédemment, dans Les Aventures de l'Aisance, Fabrice a décidé de collaborer avec un nouvel artiste. Regardez, mon fils de 5 ans a découvert Photoshop hier, et voilà le résultat. Ah ouais? Bah c'est bien pourri, hein. Bah c'est ton affiche officielle, ma gueule. Et c'est comme ça. Allez, bisous. Alors qu'Aurélie et Eddie doivent tourner dans le clip de la bande originale des Schtroumpfs très bientôt, le costumier du clip décide de leur montrer leur tenue. Alors voilà, moi j'avais pensé à ça pour toi, Eddie. C'est le costume de Spock. Ah merci, c'est super à cette heure-ci. Mais c'est quoi cette daube, wesh? Et voilà, pour toi j'ai trouvé ce super costume de boule à facettes, Aurélie. Oh, c'est super, mais ça va pas avec le thème de mon single. Excusez-moi, vous êtes pas les Black Eyed Peas? Oh non, pas du tout. Oh pardon, autant j'avais reconnu Fergie, autant je trouvais que Tabou il avait pris un sale coup dans la gueule, hein. Bon, ben posez ces merdes, hein, je vais vous chercher des joggings. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crétin Express. Ils sont quatre au fin fond de l'Alaska et ils ont pour mission de récolter de l'argent pour une association. Y arriveront-ils? Rien n'est moins sûr. Bon les anges, votre mission aujourd'hui c'est de trouver de la neige. Oh mon dieu, c'est pas facile de trouver de la neige dans le coin. Je sais pas comment qu'on va faire, hein. Oh les amis, j'ai réussi à trouver de la neige. On a gagné. Il a trouvé de la neige. Il a trouvé de la neige. Bravo les anges, vous êtes une belle bande de demeurés, mais bravo hein. Bon bah moi je suis contente, mais pas très contente, parce qu'il y a quelqu'un qui a remplacé la neige que j'avais mis dans mon sac à dos par de l'eau. C'est pas très gentil quand même, hein. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous découvrirez que Ricardo et Raphaël aimeraient bien échanger leur vie. Ah là là, je suis tellement triste que ma meuf elle soit si loin. Je compatis mec, moi je suis tellement triste que ma meuf elle soit si près. Ah ouais, je comprends, mec. Les Aventures de les Anges, la suite à le prochain épisode. Voilà, les amis, les Aventures de les Anges. Je suis désolé, j'étais prêt à rendre l'antenne, mais en fait, on va jamais rendre l'antenne. Ce soir, on est là jusqu'à 21h. Je m'en fous. Je prends le temps. Benoît qui dit non, j'arrive au sport. Moi, j'ai faim. Et moi, j'ai faim. Bon, on va rendre l'antenne bientôt, les amis. En tout cas, les Aventures, on adore, mais une autre série qu'on adore, c'est Unreal, hein, la série événement qui vous plonge dans les coulisses de la télé-réalité. C'est ce soir sur Énergie 12 à 20h55. C'est la suite de la semaine dernière. Et les amis, ça donne ça. Je veux un baiser aujourd'hui. Mais j'ai besoin que tu fasses ça devant les autres filles. Quelque chose ne va pas? Tu m'as menti. Dégage de là! C'est quoi ce bordel? Il y en a une qui te plaît? Peut-être bien. Je parie que tu dégages dans la semaine. On a un problème. J'ai une fille sur le toit. Et aucune caméra. Unreal, votre nouvelle série inédite. Ce soir, à 20h55, sur Énergie 12.
Unreal, c'est à 20h55, les amis. Croyez-moi, vous allez kiffer. Beaucoup de messages la semaine dernière de gens qui ont kiffé la série. Donc, on est content au prix où elle nous a coûté. On est content que ça vous plaise. Avant de terminer, ouais, tu peux applaudir. Ouais. C'est des applaudissements à 1500 euros, là, partout, là, 1500 euros. Toi, t'es à 2000, bien, pas mal. À toi, t'es à 500, fais attention. Vous allez kiffer, les amis. Avant de terminer, j'aimerais remercier Marion, notre documentaliste, celle, oui. La dame du CDI. Je me rappelle la dame du CDI au collège. Et oui, hein, elle s'en va vers d'autres horizons. On l'embrasse fort. Viens, ma belle, viens. Et oui, parce que Marion, elle est quand même arrivée en finale de Popstar face à Sherifa Luna. Et j'ai envie de dire un truc, même si j'adore Sherifa Luna, elle est où, Sherifa Luna? Et Marion, elle est là, elle, voilà. Elle sentait quoi, Sherifa Luna? Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas que je ne connaissais pas. Eh bien, tu sais quoi, Marion? Je te veux dans mon équipe, Marion. Voilà. Allez, du bruit pour Marion, s'il vous plaît. Reste là-haut. Elle se bat. Marion, viens ici. Viens faire la fin de l'émission avec nous, Marion. Viens. Je rends pas l'antenne si j'ai pas Marion. Je rends pas l'antenne. Voilà. Merci, ma belle. Allez, c'est déjà fini, Jeff. Merci d'avoir été avec nous, si c'est la bonne. On se retrouve demain à 17h25 dans le Mad Mag avec deux musiciens, John Ali des Anges et la révélation pop Navy qui cartonne avec ça. Et comme d'habitude, on se quitte avec les images exclusives de ce qui vous attend dans les prochains épisodes des Anges. Bonne soirée sur Énergie 12 devant Unreal. À demain et d'ici là, n'oubliez pas, couchez-vous tard. Mais oui, Unreal, Unreal, couchez-vous tard, mais levez-vous tôt. Venez, on va se caler là. Et il faut mettre tout à plat, c'est le mieux. En fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, je vais l'écouter. Est-ce que j'ai envie de parler? Ça, beaucoup moins. On se disperse dans tous les sens. On cherche, on a fond. Et on va absolument pas rentrer sans le quatrième chèque. Coucou les anges, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle aventure. Et non. Oui, je vois des petites flammes là. Garde. Oh non, non, je pense pas que c'est bon quoi. Ah non, 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 il faut l'enlever. Garde, il y a plein de fumée. Oh, c'est une catastrophe. Hein. Allez, Raph, allez, Raph. Oh, j'ai envie de vomir, je suis pas bien. Là, clairement, c'est soit moi, soit là. Oh, allez.